Un livre sur la magie du temps, juste en haut. C'est exactement ce dont tu as besoin. Tom! C'est quoi tout ce raffut? Comment veux-tu qu'on arrive à faire notre sieste? Où est la formule? Elle doit être par là. Remonte sans attendre les aiguilles du temps et remets les choses comme elles étaient avant. Tu pouvais pas t'en aller sans te retourner. Non, 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 il a fallu que tu l'aides. J'ai hâte de savoir ce qui a pu causer un tel vacarme dans le salon. Tom, on t'écoute. Très attention, il y a toujours de la place pour un chat dans les bocaux. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle maison? Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon vendredi. Merci de nous choisir encore une fois pour une portion de votre après-midi télé, d'autant plus qu'aujourd'hui, on reçoit Maurice Vanier qui va nous dévoiler la programmation du 26e Rendez-vous des Grandes Gueules qui débute ce dimanche et qui va se poursuivre jusqu'au 9 octobre prochain. Donc, restez bien installés puisqu'on aura pour vous tous les détails dans quelques minutes. Mais dans un premier temps, on accueille la responsable des communications de la Biennale de livres d'artistes du Portage qui débute aujourd'hui même et qui se poursuit jusqu'à dimanche. Il s'agit de Mireille Landry qui va nous dévoiler les grandes lignes de la programmation du week-end. Alors, on l'accueille à l'instant. Mireille, bon après-midi à vous. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, Mireille, sur le plateau pour parler de la Biennale de livres d'artistes au Portage, un événement qui propose une 6e exposition. Déjà, d'abord, dans quel objectif ça a été créé, ce rendez-vous culturel? Écoutez, il y a des artistes un peu partout de par le monde qui s'intéressent à s'exprimer par le livre, ou certaines formes de livres, toutes sortes de formes de livres. Fait que c'est autant des peintres que des aquarellistes, des graveurs, tout ça, de tout temps. Mais on ne fait pas exception ici dans la région parce que des artistes donnent dans le livre depuis longtemps et ont décidé de créer une biennale. C'est l'organisme Hétéroclite et les gens autour de ça qui ont créé cette première biennale. On en est à la 6e, alors ça va croissant. Il y a des gens qui viennent présenter leurs livres de partout au Québec, d'Europe, etc. Et la popularité de l'événement, du rendez-vous en soi, est grandissante, vous l'avez souligné. Oui. D'ailleurs, il y a plusieurs activités qui seront proposées cette fin de semaine. Tout à fait. Mais avant qu'on parle vraiment de la programmation en soi, vous avez apporté justement un exemple de ce que l'on peut découvrir sur place. Donc, le livre que vous avez apporté avec nous, ça, c'est le genre d'item que l'on peut découvrir si on se rend donc à la salle Gilles Moreau, qui est située à Notre-Dame-du-Portage. Tout à fait. Alors, les livres d'artistes, justement, c'est à faible tirage, c'est un exemplaire ou quelques-uns. Oui. Alors, c'est les gens qui ont un artiste, a toute la latitude de produire. Et bien sûr, il y a du contenu. Oui. Alors, il y a des mots, il y a des images. Il s'agit d'art visuel, mais aussi de
multiples médias. Oui. Et alors, vous en avez un ici. Alors, je vous l'ouvre à une page, par exemple. Alors, il y a les artistes vont choisir les mots, les illustrations aussi pour accompagner le texte. Suivant leur médium, alors vont présenter ça. Alors, je ne tournerai pas toutes les pages parce que ça va être un petit peu difficile pour votre caméra. Oui. Mais, écoutez, non, ça donne un très beau résultat à l'écran. On voit vraiment là, ce que ça donne comme aperçu de ce genre de pièces qui devient en quelque sorte un item de collection aussi. Là. Tout à fait. Alors, c'est des pièces de collection. Ce sont des œuvres d'art. Celui-ci est de... Absolument. Alors, l'artiste peut, à sa guise, s'exprimer. Celui-ci est de Raymonde Lamotte, une artiste de la région, impliquée à Hétéroclite, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ça génère des collaborations entre artistes. Alors, les poètes, et justement, il y a toutes sortes de tons. On voit que ça peut être ludique, politique. Le traitement est dans le cours de l'artiste. Le propos et de la manière dont il est amené est vraiment laisser libre cours à l'artiste qui crée l'œuvre en question. Voilà. Mais des poètes vont s'associer à des gens d'art visuel. Mm-hmm. Et dans ce cas-ci, vous voyez qu'il y a aussi la reliure. Alors, il y a des boîtiers, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on regarde l'imagination, l'invention. Et ça devient des pièces uniques aussi. Des pièces uniques. Alors, il y a des défis techniques aussi. On voit qu'ici, il y a une reliure qui est de Fernand Pelletier, aussi un artiste de la région Eurelière. Et donc, ça amène des collaborations super intéressantes. Et on voit que l'inventivité, on n'en revient pas. À l'écran, présentement, Mireille, on voit donc l'installation qui s'est faite mercredi en après-midi. Alors, on a un aperçu de ce qui est proposé aux gens qui se rendent à la salle Gilles Moreau de Notre-Dame du Portage jusqu'à dimanche. Il faut souligner que vous avez une invitée d'honneur très importante, qui va d'ailleurs offrir une causerie samedi avant-midi sur le coup de 10h30. De qui s'agit-il? Tout à fait. C'est Mme Régimbal-Zévère qui vient d'exposer au musée du Bas-Saint-Laurent et qui a gagné un prix du gouverneur général des arts visuels cette année. Alors, une artiste très intéressante qui, justement, joue ou apporte dans sa production, ses œuvres, à la fois des mots et de la peinture et les expériences des femmes quotidiennes. Donc, plusieurs moyens d'expression qui sont mis de l'avant par le biais des œuvres qu'elle propose. Donc, ce sont ce genre de corpus que l'on peut découvrir. Il y a aussi des causeries, comme je l'ai souligné. Quelles sont les autres activités que vous offrez cette fin de semaine? Alors, ce dimanche, il y aura aussi une lecture de certains des textes, parce qu'on ne peut pas tous. Là. Il y a plus de 50 œuvres autour de la Biennale. Et il y a cette année un accent particulier sur les zines. Oui, qu'est-ce que c'est les zines? Les zines, alors beaucoup de jeunes adultes de qui vous écoutent connaîtront les zines parce que c'est très populaire. On n'a pas toujours l'énergie et l'amplitude de temps, etc. pour faire des livres complets, mais on a souvent des choses à dire. Alors, on a peut-être des choses à dire On va en montrer quelques-unes. Allez-y, je vais en montrer à l'écran pendant que vous nous expliquez ce qu'est carrément une zine, là, parce que le temps file, il faut faire vite. Oui, le temps file. Alors, les zines, vous voyez que les thèmes peuvent varier. Là, il y a les proverbes ukrainiens, l'autre est sur les insectes. Alors, il suffit d'avoir quelque chose à partager. Mm-hmm. Et ça aussi, c'est à petit tirage. Alors, souvent, c'est donné en main propre, presque. Ou alors un seul exemplaire aussi, c'est ça. Quelques exemplaires et on circule. Alors, il y en a un sur l'amitié. Au temps des médias sociaux, on peut s'interroger sur c'est quoi l'amitié vraie, etc. Alors, philosophique, amusant, fantaisiste, tout est là. Génial. Alors, ma chère Mireille, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, ça passe trop vite, mais on invite Néwar Guylaine Couture qui va... Venez voir tout le monde, c'est pas compliqué. Donc, livre d'artiste au portage.com, c'est l'adresse Internet à visiter pour en apprendre davantage sur la programmation de cette 6e exposition qui se déroule jusqu'à dimanche et qui débute ce soir par le vernissage aux 200 côtes de la mer à la salle Gilles Moreau. Pour le vernissage de l'exposition de la Biennale de livres d'artistes au portage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et restez bien installés à la maison puisqu'au retour, Gilles Vanney du Rendez-vous des Grandes Gueules sera sur le plateau pour nous parler de la 26e édition.
Le Vrac, Rivière-du-Loup, 226, rue La Fontaine. L'équipe du Petit Manoir du Casino Hôtel Pavillon et Spa est heureuse de vous recevoir à Charlevoix. Sur le site restaurant familial Gym, Billard et le Spa au Quartz, profitez de points de vue incroyables sur le fleuve à partir de nos terrasses. Vivez un séjour douillet dans l'une de nos suites hôtels ou chambres supérieures, pavillon équipé de cuisinettes, bains à remous, foyer et balcon privé. Forfait plein air offert tels que soirée au coin du feu, pique-nique à la plage, vélo, moto et autres. Stationnement gratuit, aucun frais de villégiature. Les vacances au Petit Manoir du Casino, c'est bien plus beau. Rendez-vous à faire 2022, c'est un sommet économique incontournable pour vous. Ce salon d'exposants regroupe des entreprises manufacturières et de services, des organisations scolaires et des services aux entreprises. C'est une occasion en or de présenter vos services, votre expertise, tout ce qui vous démarque. On y trouve des conférences, des formations, des classes de maître, des solutions RH et l'innovation. C'est un rendez-vous pour créer des mariages et réseauter comme jamais auparavant avec des entrepreneurs de Montmagny, Villers, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Les 13 et 14 octobre au Centre Bombardier de l'Apocatière, soyez-y. Une collaboration de CIMT. À la station-service Denis Pelletier, on est les experts en mécanique générale et diesel, entretien de flotte de véhicules, PEP et VR. Vous pouvez aussi nous confier vos voitures européennes. Détenteur de carte CAA, obtenez 3 % en dollars CAA sur vos réparations et pneus. Et profitez des rabais des manufacturiers de pneus en vigueur et de notre service d'entreposage à la station-service Denis Pelletier. Un garage recommandé et centre de vérification autorisé CAA. Après un 25e anniversaire souligné en grande pompe l'an dernier, le rendez-vous des Grandes Gueules s'amorcera pour une 26e édition ce dimanche 2 octobre et se poursuivra jusqu'au 9 avec plusieurs plateaux aménagés sur le grand territoire du Bas-Saint-Laurent. On en parle avec Maurice Vanet. Mon cher Maurice, d'abord, bon après-midi. Salut. On est chanceux de te recevoir en ce vendredi pour parler du rendez-vous des Grandes Gueules parce que là, vous êtes dans les derniers préparatifs de cette grande célébration du conte, de la parole, de la poésie. D'abord, qu'est-ce qui est marquant pour ce 26e rendez-vous? Parce que la barre est haute quand même. L'an dernier, vous avez mis les objectifs quand même assez élevés. D'ailleurs, vous les avez largement surpassés avec une popularité indéniable. Pour cette année, on s'attend à quoi? Bien, écoute, c'est sûr que chaque année, c'est un défi parce qu'on se dit qu'on réussira jamais à monter aussi haut que l'année d'avant. Donc, mais une fois que la programmation est établie, on s'aperçoit qu'on a une bonne programmation. Donc, c'est une quarantaine de spectacles. La majorité à Trois Pistoles, oui. qui reste le cœur. Trois Pistoles et les Basques, à La Forge, bien sûr. Oui. Mais aussi 14 spectacles, comme tu dis, dans différentes localités du Bas-Saint-Laurent. Ça commence à Métis-sur-Mer le 2 octobre. Dimanche? Oui, dimanche! Dimanche! On est le 30 aujourd'hui! Avec Thierno Diallo, qui est un conteur exceptionnel africain du Sénégal. Oui. Du Sénégal, qui, lui, est la quatrième génération de conteurs dans sa famille. Et donc, on a cette chance-là. On a aussi un conteur d'Afrique du Nord, mais qui vit en France, dans le nord de la France, Rachid Boily, qui est, pour moi, qui a été un coup de cœur exceptionnel quand je l'ai vu. Donc, plusieurs spectacles en région. Ça commence donc le 2 à Métis. Ça se termine. Ça se termine. C'est ça le compte. On fait le vocabulaire que l'on veut. Alors, ça se termine avec Faubert. Pour ce qui est des Cépivards, ça se termine à Saint-Jean-Port-Joli. C'est je crois, Saint-Jean-Port-Joli. Oui, exact. Collaboration qui est renouvelée encore cette année parce que vous avez des partenaires de longue haleine quand même pour être en mesure de vous épivarder comme ça sur la grandeur du territoire qui est le Bas-Saint-Laurent. Il faut dire qu'il y a plusieurs plateaux qui seront aménagés, 14 au total. Oui. Donc, évidemment, il faut se rendre aux compagnons... CompagnonPatrimoine.com. Merci. CompagnonPatrimoine.com pour avoir l'ensemble de la programmation qui est très diversifiée, encore une fois. Tu nous as parlé de tes coups de cœur qui proviennent de l'étranger, mais sur le plan du talent québécois, du talent canadien, à qui on peut s'attendre de voir sur scène? Bien, il y a Joujou Touraine, qui est une conteuse d'origine haïtienne, qui est déjà venue plusieurs fois, qui va venir donc à La Forge, en solo le samedi. On a Thomas Hellman, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Mm-hmm. Il a fait une série d'émissions avec Franco Nuevo à Radio-Canada sur les héros grecs. Et donc, il a décidé de faire un spectacle. C'est fou, je l'ai vu sorti de résidence avec... C'est Faubert qui fait la mise en scène.
sur les divinités grecques, une gang de joyeux capotés, cette gang-là. Donc, Mythomane, ça s'appelle, avec un magnifique musicien aussi. Et ça, c'est le dimanche après-midi. On a un autre duo le dimanche après-midi, mais ça, c'est pas du local. Ce sont des manouches, un couple manouche qui reviennent à Trois-Pistoles, qui vont nous faire un spectacle. C'est toujours merveilleux avec accordéon, guitare, danse et c'est à ne pas manquer. Différentes disciplines artistiques donc, qui seront mises de l'avant par le biais de cette activité parce qu'elles sont nombreuses. Tu l'as souligné d'entrée de jeu, plus de 40 spectacles proposés sur une période de 8 jours. Donc, ça vaut quand même la peine d'au moins réserver une journée parmi le calendrier d'événements que vous proposez pour aller faire un petit tour et découvrir votre programmation qui est si riche et si diversifiée. Selon toi, Maurice, qu'est-ce qui vous rend si unique comme événement? Parce que vous êtes un des événements du genre les plus importants dans la francophonie, je crois, là. Oui, bien, on a, en toute modestie, on est reconnu à travers la francophonie. D'ailleurs, on avait été invité il y a 2 ans à un sommet sur le compte pour la francophonie. Donc oui, je pense que ce qui nous démarque, c'est la convivialité. Bon, d'abord, l'art du conte, c'est un art de proximité, un art convivial, mais à Trois-Pistoles, à La Forge et dans les lieux qu'on choisit aussi, nos partenaires, il y a une espèce d'atmosphère bon enfant. Oui. On se prend pas c'est plus... très convivial. Hein? Voilà, on accueille tout le monde, puis il n'y a aucun jugement non plus qui est porté, peu importe d'où on vient, peu importe nos intérêts aussi en termes de conte, en termes de poésie. On est assuré de trouver, je pense, un spectacle qui nous convient selon nos intérêts. Là. Et ça, c'est ce qui fait une de vos forces également. Là. Exact. On reçoit des gens de partout du Québec, d'ailleurs, qui viennent. Et les gens qui viennent, les conteurs qui viennent, ce qu'ils nous disent, c'est qu'à Trois-Pistoles, ce qui est très spécial, c'est la fourchette d'âge. Oui. Parce que souvent, le conte est relié soit au spectacle d'enfants ou des personnes grisonnantes. mais à Trois-Pistoles, vraiment, on a un éventail de publics. De générations. Oui. Différentes générations qui se côtoient c'est justement pour assister au spectacle que vous proposez. Donc, c'est principalement du côté de la Forge à Bérubé, évidemment, que le cœur des activités seront proposés, mais il y a d'autres plateaux, 14 au total, notamment Saint-Jean-Port-Joli, Rimouski avec le musée notamment de Rimouski, dans la Métis. Alors, on vous invite à vous rendre au compagnonpatrimoine.com pour tous les détails sur cette programmation 26e édition et aussi pour vous procurer vos billets. Donc, vous pouvez passer par cette plateforme web pour faire l'acquisition de vos billets et consulter la page Facebook Conte et Récits pour en apprendre davantage sur chacune des activités proposées au jour le jour entre le 2 et le 9 octobre prochain. Mon cher Maurice, merci beaucoup de ta présence. Merci, toujours Michel. Un plaisir. Toujours bon un plaisir. Succès merci. En espérant se revoir pour la 27e édition. En espérant que tu sois encore là, surtout. merci. Merci, mon cher Maurice. Ciao. Merci également à la maison d'avoir été à l'écoute chaque jour cette semaine. On se retrouve lundi 15h pour une autre vitrine. Portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. La planète est à l'envers. La guerre qui s'éternise, la pandémie, l'inflation, la politique, les pénuries, tout ça devient étourdissant. Faites-vous-en pas. On va démêler ça ensemble. Avec Mario, tout devient clair. En semaine, dès 11h30. C'est la 35e saison qui commence.